Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Les élus camerounais apprendront à regarder tous ensemble vers la même direction. Acte conclusif des travaux de la troisième session ordinaire du réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local. Nous comptons le faire surtout parce qu'en mars 2023, s'il plaît à Dieu, nous voulons tenir une plénière spéciale sur une problématique qui concerne tous les élus. En fait, nous voulons, donc le thème est la synergie d'action entre les élus d'une même circonscription électorale. Et au cours de cette plénière, nous voulons mettre ensemble tous les élus, que ce soit ceux du Parlement, que ce soit ceux de la base, pour qu'on réfléchisse comment on peut regarder tous dans la même direction. Députés et sénateurs de cette assise ont fait aussi le bilan des actions entreprises courant 2022. Des réalisations ont été faites malgré la difficile conjoncture. L'année 2022, que nous venons de valider le plan d'action, les réalisations, s'est déroulée quand même avec beaucoup de difficultés, surtout des difficultés dû au manque de financement. Le travail ira donc en s'intensifiant, ont promis les membres des deux chambres du Parlement camerounais.